Monsieur, est-ce que tout va bien? Car à Candidator, chaque dimanche, nous recevons un invité professionnel du spectacle et ce soir, c'est un honneur que de recevoir un humoriste qui grimpe, qui connaît Candidator. Il est passé plusieurs fois déjà avec nous, mais il s'avère que sa carrière s'envole. Cela fait un an qu'il cartonne au Théâtre du Marais et qu'il fait tous les festivals de France. On est ravis parce que c'est devenu un pote et c'est un mec super sympa d'accueillir Didou. Ça va? Merci, ça va super, merci Olivier. Bien et toi? Ça va, on a l'habitude de s'asseoir. Oui. C'est quoi? C'est une marque que tu défends parce qu'on est à l'antenne, hein, méfie-toi. Hein. Alors écoute, non, je vais le dire, c'est la marque Jules. Jules. Voilà. Ouais, faut pas le dire, on n'a pas le droit. Ouais, mais comme je suis sponsor, je me la raconte. Okay. Ouais. Et ça cartonne au Marais? Écoute, ça se passe très bien, j'ai beaucoup de chance. Le public est au rendez-vous et ça fait plaisir parce que tu as vu, quand tu as dit Didou, tout le monde a fait mais c'est qui lui en fait. Et voilà, donc le bouche à oreille fonctionne, voilà. Non, mais nous, le principe de Candidator, c'est de mettre en avant les humoristes qui grimpent ou en tout cas qui ont fait des scènes ouvertes, oui, ou des cours et qui progressivement commencent à s'installer dans le métier. Toi, tu es partout. Écoute, il faut multiplier les scènes pour pouvoir se faire voir. Et justement, Candidator, je suis très content parce que j'ai participé, comme tu l'as dit tout à l'heure, plein de fois à Candidator. Et c'était un réel plaisir de venir à chaque fois en tant qu'invité parce que c'est un public qui est très bienveillant. Et regarde. Enfin, il était bienveillant, je ne sais pas si. Est-ce que vous êtes toujours bienveillant? Ouais. Ça va, ils sont encore bienveillants. Ouais. Oui, t'as rodé des sketchs, toi, Candidator. Oui, ouais, je suis venu 2-3 fois et à chaque fois, c'était vraiment un plaisir. J'ai pas connu les pantoufles. Non. Voilà. Et non, c'était très... Mais très cool. T'aurais connu les pantoufles, tu n'en aurais pas reçu. Oh, mais même si j'en avais reçu une, ça m'aurait fait du bien. D'accord. Donc, t'es quand même un pro de la com, toi, hein, parce que c'est toi qui gères tes affaires. Ouais. Alors, quel conseil tu peux donner aux jeunes humoristes pour communiquer aussi bien? Mais qu'est-ce que je peux leur dire ou leur donner comme conseil? C'est il faut être omniprésent partout, faire beaucoup de scènes. C'est quoi omniprésent? C'est faire de la scène partout? Des ouais. plateaux, tout? Alors moi, je fais plus de scènes ouvertes que je distribue des flyers parce que je considère que c'est pas forcément quelque chose qui est un bon retour sur investissement. Mais c'est vrai que voilà, faire des premières parties, faire un maximum de plateaux, comment venir on à Candidator. Comment fait les premières parties? Alors les premières parties, en fait, on n'y a pas accès tout de suite. Enfin, ouais. Pour ma part, ça s'est pas passé comme ça. En fait, il faut d'abord se faire connaître en plateau. Et après, ouais, généralement, les grands, ceux qui évoluent dans des grandes salles, peuvent te repérer. Et du coup, là, ils te proposent ou pas, mais il ne faut pas y aller au forcing parce que ça ne marche pas. Donc, flyer à distribuer, première partie, les plateaux. Les scènes ouvertes, ouais, tout ça. Et avoir du réseau. Par exemple, connaître René Marc et dire hey, René Marc, voilà, c'est la dernière, tu peux m'inviter pour avoir un petit peu de buzz. Bam, René Marc. D'accord. Ok. Voilà. Mais qu'est-ce que je veux dire? Les réseaux, c'est une chose, mais il faut apprendre à les maintenir comme un leader. Eh ben écoute, Mark Zuckerberg, je suis ami avec lui, donc voilà, il me donne pas mal de petits trucs. Parce que sur Facebook et sur les réseaux, tu n'arrêtes pas. Ouais, je dépense pas mal d'argent, si c'est ça que tu veux dire. Ah, c'est vrai, tu payes non, des pubs? Non, je sponsorise un petit peu quelques publications, parce que voilà, d'accord, c'est comme ça, les gens, tu leur bourres le crâne. Ouais. Et regarde, ça marche. Et oui, je fais pas mal de publications sponsorisées. Et après, voilà, je publie dans les groupes. Et puis après, il y a le bouche à oreille qui s'installe aussi au fur et à mesure du spectacle. Si le public n'était pas content du spectacle, il ne parlerait pas pour déclencher un bouche à oreille. Exactement. On est bien d'accord. Mais tu as réussi à les faire venir. Ouais. Les groupes, la bonne humeur, voilà, changez-vous les idées, venez à mon spectacle, voilà. Donc, c'est, pour tout le monde, tu es l'un des humoristes les plus sympathiques sur le marché, figure-toi. C'est pas vrai? Ouais. C'est vrai, si on demande à cette dame, elle va... Ouais. Comment je m'appelle, ma belle? Bien, ah ouais. Voilà. Est-ce que vous saviez que Didou était l'un des humoristes les plus sympathiques sur le marché? C'est ma mère qui le dit. Hein. Voilà, ouais. Les festivals, comment tu fais? T'as un agent? Non, les festivals, alors voilà comment ça se passe, c'est que tu en fais un. Et donc, généralement, tu commences par les petits. Là, ceux qui s'en occupent, généralement, ils s'invitent tous. Oui. En tant que festival, ils viennent toujours regarder, ils viennent faire leur marché. Et une fois que tu en as fait un, si jamais ça se passe bien, eh ben voilà, on te invite sur un deuxième, un troisième, un quatrième. D'accord. Et une opportunité, on entraîne une autre. Exactement, quoi. Ouais. C'est comme quand on vient jouer à Candidator, tu sais, quand tu es filmé comme ça, il suffit qu'il y ait un pro qui regarde ensuite la vidéo et qui se dit, ah putain, lui, il est pas mal. Et bam, après, ça peut déclencher plein de choses. D'accord. C'est pour ça qu'il faut être présent et se montrer, et une scène peut amener derrière. Donc c'est du non-stop. C'est du non-stop, oui. Mais bon, après, il faut... Enfin, voilà, j'aime ça, donc du coup, je me régale. Oui, c'est du non-stop pour les passionnés. Voilà, quoi. Exactement. Celui qui est un petit peu fonctionnaire dans l'âme, c'est pas jouable, alors? Disons que ça dépend des objectifs qu'on a. Moi, je sais que je me bats depuis maintenant un an et demi avec le spectacle pour pouvoir aller très loin avec. Et donc, du coup, chacun ses objectifs. Moi, je sais que je veux...
amener ce spectacle le plus loin possible. Donc du coup, ça passe par du sacrifice et du travail. On ne peut pas arriver sur scène en mode « Hey !» À ça, dans, voilà. dans notre école de l'humour que tu connais ouais. et qui produit ce programme, ouais. on n'arrête pas de dire que travail, 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 ouais. travail tout le temps. Ben, ça, je le vois au travers de tes vidéos. Même, tu avais même un cours que tu as filmé de marketing oui, cette semaine, je crois. Oui. Et j'ai regardé ça. Ah bah dis donc, très bien. J'ai une caméra chez toi, hein. Tu ne le sais pas encore. Oui, ouais. J'espère que tu ne l'as pas pendant les moments intimes. Oh, bah, je peux en diffuser une ou deux, ouais, si, quand même, j'ai des trucs. Ouais. Non, non, j'essaie de faire en sorte que tu sortes une belle vanne drôle, parce que si on te regarde, tu es un humoriste, il faut faire rire. Ouais, le problème, ouais. c'est qu'il faut faire rire. Il faut faire rire, c'est il faut ça. En rire toutes les 10 secondes. Toutes les 10 secondes ouais. maintenant, c'est terrible. Donc depuis le début de cette interview, tu vois, j'ai ouais, marqué ouais, on les est mal barré. Ça ne donne pas vraiment envie d'aller voir ton spectacle ben, au Marais pour ouais. l'instant. Hein. Ben ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour qu'on aille te voir au Marais? Oh, venez pas. Voilà, voilà, par exemple. Non, 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 bah, qu'est-ce que je pourrais dire bah, si je dois raconter un petit peu le speech de mon spectacle. Non. Non, voilà. Bah, non, mais c'est l'histoire d'un... Non, mais on s'en fout. Non, non, mais attends. Non, mais je déconne. Non, mais je vais quand même le faire. Ah, bah, c'est l'histoire d'un mec voilà, qui a tout quitté par rapport à un événement familial et du coup qui est monté à Paris et toutes les étapes qu'il a rencontrées à Paris a fait en sorte qu'il puisse réaliser ce spectacle. Et il y a une petite fin avec de l'émotion. Oui, parce que c'est très physique. C'est très physique, oui. Très physique, toi. Ah, pour le coup, sportif, j'aime bien bouger. Ah oui, oui, oui. Ouais, j'aime bouger. Ça déménage, tu as une belle énergie. Et effectivement, il y a des petits moments. Vous avez entendu ce qui vient de se passer là hein Il y a marqué une belle énergie. Ça, c'est le compliment extraordinaire à faire à un humoriste. Il a une belle énergie. Mais tout le monde ne l'a pas, tout le monde ne l'a pas. Ouais, généralement c'est ce qu'on dit aux gens qu'on n'a pas aimé en fin de spectacle. Ouais. Et ben en tout cas, c'est un spectacle avec une voilà, belle énergie. Voilà. Merci, tu vas assister à la soirée. Ouais, avec grand plaisir. On se retrouve à la fin pour l'applaudimètre et tout le machin. Ouais. Et tu donneras ton avis. Je peux participer à l'applaudimètre? Ah ben évidemment. Et je peux donner mon avis à la fin? Ben si tu veux. Okay. Ben, attention, hein, comme chez Jacques Martin, hein. Tout le monde a gagné. Ah oui, on la joue comme ça. Non, non. Il n'y a pas de problème. Tu vois. Je serai droit. Je suis ravi de te recevoir en invité cette fois-ci, parce que ça veut dire que ça grimpe. Écoute. Ça grimpe. On applaudit Didou. Merci beaucoup. Merci, Marlène. Merci beaucoup.